l'harmonie a changé. Yeah, yeah. La symphonie a changé. Elle Dieu a changé de masque. La symphonie a changé. Elle Dieu a changé de timbre. La symphonie a changé. Dans l'Ancien Testament, les saints des saints étaient dans les temples, dans les temples. Mais aujourd'hui, les saints des saints est un homme, est un homme. Au lever du soleil, le vrai temple était Jésus, était Jésus. Qui portait la plénitude de la divinité, la divinité. Au coucher du soleil, le temple, c'est William Branham, c'est William Branham. Qui a voilé le même Dieu sous une autre forme, sous une autre forme. Dans les temps anciens, entrer dans les saints des saints, c'était la mort. Pas entrer, c'est ça la mort, c'est ça la mort. Car Dieu dans la chair humaine, aujourd'hui c'est ce qui donne la vie, c'est qui donne la vie. Et prêcher Jésus aujourd'hui, c'est prêcher William Branham. William Branham. Tony Osborne l'a déclaré dans son discours, dans son discours. Que ces jours-là, dans les rues d'Arizona, d'Arizona, la forme d'un homme, la forme d'un homme, un homme de chair appelé William Branham. William Branham. Oh, California, tu as vu ton créateur, ton créateur. Tu as vu ton Dieu, mais tu ne l'as pas reconnu. Tu l'as pas reconnu. La plus grave erreur que commettent les pentecôtistes, les pentecôtistes. Ils sont allés chercher Jésus à l'Orient, à l'Orient. Ils ne savent pas que la symphonie a déjà changé, a déjà changé. Le même Jésus a voyagé vers l'Occident, vers l'Occident. Le voici habillé en veste et en cravate, en cravate. Si tu vois Branham, je te dis que tu as vu Dieu le Père, tu as vu Dieu le Père. Le voici qui revient comme un missionnaire. Les voici comme un citoyen américain. Américain. La symphonie a changé. Yeah, yeah. La symphonie a changé. Yeah, yeah. Dieu a changé de masque. La symphonie a changé. Le premier temple a été détruit à Golgotha, à Golgotha. Mais il avait promis de le rebâtir en trois jours, en trois jours. Ce matin-là, il y eut les rumeurs pentecôtistes, pentecôtistes. Les gens criaient, oh Jésus est ressuscité, ressuscité. Mais le soir, les disciples ont vu le même Jésus, le même Jésus. Au soir du soleil couchant, on a vu la même divinité, même divinité. Au jour de Jésus, les mystères de la création, de la création, étaient scellés et réservés pour les temps du soir, le temps du soir. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas créer, pas créer. Il pouvait seulement multiplier et transformer, transformer. Mais ces jours-là, dans les bois du soleil couchant, soleil couchant, j'ai dit seulement que l'écureuil soit, et il fut, et il fut. Et Branham a dit quand les voiles du temple est déchiré, déchiré. C'est comme autrefois, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, a vu le Père. Dieu a fait de Moïse un Dieu vivant pour Israël. Israël. Et Branham aujourd'hui est le Dieu vivant pour l'épouse, pour l'épouse. Ce qui s'est passé dans l'île des réunions de William Branham, de William Branham, dépasse tout ce que Jésus a fait pendant ses 33 ans et demi
Edemi. Oh William Branham, c'est toi l'image de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh William Branham, c'est toi le Christ du temps du soir. Du soir, vous qui êtes là-bas, à Tucson et en Arizona. Arizona. Qui attendait la seconde venue du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Sous vos yeux. Jésus est revenu. Oh, là-bas, dans la nuée. Dans la nuée, vous qui êtes là-bas, à Goma et à Kolwezi. Qui attendait la seconde venue du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Sous vos yeux. Jésus est revenu. Oh, là-bas, dans la nuée. Dans la, nuée. La symphonie a changé. Yeah, yeah. La symphonie a changé. Yeah. Dieu a changé de masque. La symphonie a changé. Yeah. Dieu a changé de timbre. La symphonie a changé.